8h10, c'est l'interview d'actualité. Ce matin, Julia, vous recevez Floriane Vintras, pour qui ce lundi est un jour particulièrement important. Tout à fait, Thomas. Bonjour, Floriane Vintras. Merci d'être avec nous. Effectivement, un jour particulier, parce qu'aujourd'hui, vous avez 31 ans et les Français ne vous connaissent pas encore. Mais ça, ça va changer aujourd'hui, puisque vous êtes un des visages de la grande campagne qui commence aujourd'hui au sujet du handicap, pour justement sensibiliser au handicap. Ça démarre aujourd'hui, ça va durer 3 mois. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un des spots réalisés par Yvan Attal, dans lequel vous apparaissez. Cécile, elle est là. Je ne crois pas, elle est encore plus belle que sur les photos. Oh là là, je suis stressé. Bon allez, j'y vais. Non. En plus, elle est fan de hard rock comme moi. Hey. Voyons les personnes avant le handicap. Alors Floriane, vous êtes handicapée depuis vos 6 ans, à la suite d'une opération de la moelle épinière qui s'est mal passée. Vous êtes aujourd'hui en fauteuil roulant depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre quotidien, qu'on comprenne bien ce qu'est la vie d'une handicapée? Alors en fait, il faut savoir que c'est un challenge permanent, quotidien. On est constamment en adaptation, on s'adapte constamment à la société. Parce que c'est vrai que la société de nos jours n'est pas adaptée à nous. C'est nous qui sommes obligés de nous adapter à la société. Alors, c'est à quel niveau, par exemple, quand vous souhaitez prendre les transports en commun, quand vous allez acheter votre pain, ça se situe à tous les niveaux? C'est ça. Par exemple, moi, je ne prends pas du tout les transports en commun. Mmh. Je prends plutôt ma voiture pour avoir pas cette problématique de l'accessibilité du métro, l'ascenseur qui ne fonctionne pas. J'ai eu mon permis dès la première semaine de mes 18 ans parce que je savais que ça allait être synonyme d'autonomie pour moi et un grand vecteur d'autonomie. Je crois que vous allez également faire des séances de kiné et oui. Que c'est très compliqué, même là, pour accéder à votre médecin. Alors, médecin traitant, notamment. J'ai habité 2 ans et demi sur Paris et je n'ai jamais trouvé de médecin traitant accessible ni de kiné accessible. C'est plutôt le kiné qui venait chez moi ou le médecin traitant qui, à la base, ne faisait pas du domicile, mais venait à la maison pour ma consultation. Donc, en fait, il y a un problème d'accessibilité, que ce soit dans les transports en commun, chez les médecins, un petit peu partout. Mais ce que vous nous dites aussi, c'est la charge mentale qui va avec tout ça. C'est ça. Une charge mentale, mais dans tous les domaines, en fait. Il faut réfléchir sur notre déplacement, si à la fin, ça va être accessible ou pas. En général, je téléphone même pour vérifier, parce que c'est vrai que l'accessibilité n'a pas la même... c'est pas la même définition pour tout le monde. Mm-hmm. Il faut partir du moment où il y a un ascenseur. Pour eux, c'est accessible. Alors, des fois, il y a des marches avant l'ascenseur. Ça peut être aussi dans l'entreprise, si jamais l'ascenseur ne fonctionne pas. Tout peut être compliqué et tout vous demande d'y réfléchir, c'est ça. Et tout est fatigant, j'imagine. Voilà, tout doit être anticipé, c'est ce que vous nous dites. Oui. Vous faites du sport, je crois. Vous êtes une bonne tennisman, tenniswoman, et vous faites aussi de l'équitation. Là encore, est-ce que c'est pour vous un défouloir ou est-ce que c'est là aussi compliqué de se faire plaisir? Alors, déjà, mentalement, ça fait vraiment du bien. Ça permet de se défouler, justement. Mais c'est aussi bien sur le plan physique que mental. Mais par contre, le matériel pour pouvoir faire ce sport coûte cher. Comme c'est votre pas donné fauteuil d'ailleurs, tout coûte cher quand on est handicapé. Voilà, c'est un fauteuil roulant, ça coûte entre 5 000 et 10 000 euros pour un fauteuil roulant léger, pour pouvoir être autonome justement. Et c'est pareil, pour faire du tennis, quelqu'un aura besoin juste de basket et une raquette de tennis. Nous, on aura besoin d'un fauteuil qui coûte environ 5 000 euros. Évidemment, tout est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher. C'est ça. Alors, le slogan de la campagne, c'est « Voyons les personnes avant le handicap ». Est-ce que ça se passe toujours aussi bien que dans le spot qu'on a vu avec vous? Est-ce que les amoureux potentiels ont toujours accueilli votre handicap avec autant de sourires? Alors, en général, moi, je les préviens que j'ai un fauteuil roulant. Donc, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Après, il peut y avoir certaines maladresses, parce que c'est vrai que le handicap est encore peu connu. Mm-hmm. On a encore beaucoup de préjugés sur le handicap. Justement, c'est l'objectif de cette campagne. Faire changer le regard, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Et qu'on est avant tout une personne. On a des compétences, on a des hobbies, on a des loisirs, comme tout le monde. C'est juste un moyen de locomotion différent que l'on a. Mais voilà, le dernier date s'est bien passé puisque je suis encore avec la personne depuis 1 an et demi. Donc, bien, félicitations à vous. Qu'est-ce que vous espérez à travers cette campagne, justement sur le changement de regard des gens, mais aussi peut-être un appel à faire au pouvoir public? Alors,
Ce que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. Moi, j'ai assez de recul sur 30 ans pour voir les choses qui ont avancé. En même temps, on parle de tellement de loin. On part tellement de loin, mais il y a encore du travail sur les préjugés, justement, à lever, qu'on a des compétences comme tout le monde dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail. On peut faire du sport, on peut conduire, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai que les personnes, en général, n'ont pas cette conscience-là. Mmh. Ils ont des fois encore cet a priori sur le fait que les personnes en fauteuil, elles restent dans leur appartement, elles ne font rien parce qu'elles ne peuvent pas accéder à l'ascenseur qui est trop petit. Elles travaillent pas. Donc l'heure de la compassion... Ça, c'est passé. Maintenant, on passe à l'action. Il faut changer les regards, c'est bien ça. C'est ça. Et se mettre peut-être, ne serait-ce que 2 minutes à votre place. Oui, j'invite même des personnes un peu plus haut placées à se mettre dans un fauteuil roulant et peut-être vivre une journée en fauteuil roulant, aller chercher un café, toutes sortes d'activités en fauteuil roulant et pour se rendre compte réellement que c'est un parcours du combattant quand même, même si on s'en sort. Et même si le regard est en train de changer, en tout cas, on espère que cette campagne pourra évidemment nous montrer plutôt les individus que le handicap. C'était le but de cette campagne qui, je le rappelle, commence aujourd'hui et qui va durer 3 mois. Merci beaucoup, Floriane, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.